Bravo, il s'appelle Richard Fauzet. Oui, des gens nous ont rejoints dans ce studio, donc enfin, je n'ai plus honte d'applaudir seul, puisque peut-être vous l'entendez, il y a d'autres applaudissements. Il s'appelle Richard Fauzet, il vient de jouer Motif à danser et il est en direct sur France Inter. Ce soir, ouais, c'est toi la star du bar. T'as le même regard, Pablo Escobar. Thank you.
Bravo. Merci Richard. Bah, tu peux nous rejoindre, parce qu'il y a d'autres personnes autour de cette table. Il y a encore un micro de libre, nous t'attendons. C'était donc Richard Fenet qui va sortir son premier EP en solo qui s'intitulera Degré 1 sur le label Pan European Recording. Je crois que ce sera en avril. Bonsoir Richard. Bonsoir. Alors merci beaucoup d'être là pour sauver 2018 avec nous. Eh bien, merci à vous de m'avoir accueilli. C'est l'objectif de cette soirée, essayer de garder un bon souvenir de l'année 2018. Comment ça s'est passé pour toi? C'est pour moi 2018, c'est une grande montée vers le kiff, voilà. Ah carrément. Ouais. Ah bah super, ça fait du bien d'entendre ça. Ah bah. Parce que quoi? Parce qu'il y a ce projet solo qui voit le jour. Entre autres, oui. Ok, et alors j'aimerais qu'on parle un petit peu de toi avant. J'ai ouï dire que tu avais fondé un groupe de bébés rockers quand tu avais 17 ans qui s'appelait Spark Shavers. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Eh ben, c'est très simple. Quand j'avais l'âge de 17 ans, avec mon meilleur ami de l'époque, on s'est dit bon, allez viens, on fait un groupe ensemble et tout. Il y a eu un incident, tout est sous contrôle, c'est du matériel qui a chu. Continue. Donc c'est pas ceux des musiciens ou... Non, je crois que c'est du micro. Du coup, on s'est dit, allez, on monte un groupe, et mon meilleur ami de l'époque me dit, moi directement je fais de la batterie, c'est super et tout, je sais exactement quelle batterie je vais acheter, etc. Et moi, je pourrais dire, je ne connaissais rien, quoi. Et il me dit, mais toi, il te reste la basse. Je dis, ah bon, mais c'est quoi la basse? Il fait, c'est super et tout. Et j'avais l'impression qu'il m'avait refourgué une espèce de vieux truc un peu, de vieux rôle-pou un peu pourri. En fait, j'en suis très heureux aujourd'hui. Ensuite, tu as fait partie du projet Calypso Delia. Peut-être que tu en fais toujours partie. D'ailleurs, je suis... Calypso Delia, ça fait déjà 2 ans maintenant qu'on a arrêté de travailler ensemble. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on prend la décision de se lancer en solo, dans le vide, tout seul? Déjà, c'est tout seul. C'est quand on... je pense que c'est toujours... on vous tend toujours la main pour ce genre de choses. En l'occurrence, Pan Européen m'a tendu la main. Alors oui, c'est ce label Pan European Recording sur lequel tu signes ce premier EP Degré 1 qui va sortir. C'est le label d'un garçon que, ici, nous, à Qu'est-ce que tu fais, on aime beaucoup, notamment, qui s'appelle Flavien Berger. Oui. C'est beaucoup de pression de se retrouver sur un label aussi chic. Ah non, il n'y a pas de pression. Enfin, je veux dire, la pression, moi, je me la mets tout seul avant même de connaître Pan Européen. D'accord. Le label n'est qu'une cerise sur le gâteau, finalement. Non, je veux dire, c'est une rencontre humaine. Oui, c'est tant mieux que ça soit Pan Européen de cette manière-là. Je veux dire, ce sont des hommes, c'est pas des dieux. Ça marche. J'aimerais qu'on parle du titre que tu as choisi, ton coup de cœur de 2018. Il s'agit d'un morceau de Liraz qui s'appelle Ma Table. Tu peux nous en dire un mot, s'il te plaît? Alors déjà, le titre s'appelle Hortab, et c'est une chanson d'origine, enfin, c'est un tube, un standard persan en fait, qui a été repris donc, par cette chanteuse qui est sûrement des origines iraniennes, et qui est une chanteuse israélienne qui chante en persan, donc ça c'est particulier. Et moi, quand j'ai écouté la radio, d'ailleurs c'était sur FIP ou France Inter, si je ne m'abuse. Et quand... La qualité, la confiance. Ouais, c'est ça. Et donc, quand j'ai écouté cette chanson, c'était mon coup de cœur, je le savais. Et ben, on va l'écouter aussi. Do you see me?
C'était donc un morceau qui s'appelle Martable de Liraz, qui est donc le choix, le coup de cœur musical de Richard Fenet. Richard, à part donc cette EP Degré 1 qui va sortir en avril, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui t'attend pour 2019? J'espère plein de concerts et d'autres chansons enregistrées encore. Tu travailles sur d'autres projets collectifs ou tu, maintenant c'est... Là, pour le moment, j'ai ce projet qui me prend déjà pas mal de temps, mais j'ai bon espoir de rencontrer d'autres personnes avec qui faire d'autres choses. Mais pour l'instant, comme c'est le début, il faut que j'y mette certains investissements. C'est une musique qui est inspirée par pas mal de voyages. Il y a des voyages prévus dans les mois qui viennent. Tout certainement en Grèce. Oui, en Grèce. Ok. Parce que j'ai un copain qui va sûrement qui est là-bas en ce moment et il nous a demandé de le rejoindre à un moment donné. Et voilà quoi, c'est... On sent dans ta musique une influence de la musique perse. T'es d'ailleurs venu avec ce Staz qui est un... On peut dire iranien maintenant, hein. C'est fini la Perse. Mais parce que j'ai regardé sur internet et le Staz... Faut dire Farsi par contre, c'est... Farsi c'est la langue. Non, Farsi c'est le mot perse, mais c'est le mot persan pour dire iranien ou persan. Comment ça s'est passé pour toi la rencontre avec cette culture? Plutôt bien, je dois dire. Par quelles circonstances? Des circonstances métaphysiques. C'est-à-dire? Non, mais je rigole, mais je sais pas, humaine, encore une fois. Hein. C'est par hasard? Non, il n'y a pas trop de hasard, je crois. Il n'y a que des rendez-vous. Il n'y a que des rendez-vous, effectivement. Eh ben, merci beaucoup, Richard, d'avoir été avec nous. Merci. Je pense que tu as bien contribué. Et à bonne année. Mais oui, c'est ça. Il nous reste encore 25 minutes dans cette année 2018. Merci, je pense que tu as bien contribué à sauver ce réveillon. On va passer à la suite. Du son neuf pour 2019. Sur France Inter. Les lives de Qu'est-ce que tu fais pour le 31 continuent avec, comme vous l'entendez peut-être, quelques petits problèmes techniques des amplificateurs qui grésillent et des pieds de micro qui tombent. Mais tout va bien, tout cela s'enchaîne dans la joie et la bonne humeur, ce sont les aléas du direct comme on dit. Richard Fenet a laissé sa place au groupe suivant que je suis ravi d'accueillir, notamment parce que j'ai eu le plaisir de les voir en concert et que ce fut le genre de concert qui me mit à chaque fois la petite chair de poule. Ce groupe s'appelle Grande, G-R-A-N-D-E, l'adjectif qualificatif au singulier alors qu'il est composé de deux personnes. Ils sont deux. Gabriel, le garçon à la guitare, n'hésite pas à crier tout son amour ou son chagrin d'amour, tandis que Chloé, la violoniste, aurait pu finir dans un bal irlandais. Ce curieux mélange musical est tout un univers furieusement mélancolique, joyeusement triste, onirique quoi qu'il en soit, et capable de nous emmener dans les steppes sauvages autant que dans une cabane en haut d'un arbre. C'est doux, c'est triste un peu parfois, c'est souvent réconfortant, c'est queer, et c'est aussi pour ça qu'on les aime. En tout cas, c'est grande. Et en attendant, ah ben ils sont prêts, on me fait signe, oh là là, j'ai vraiment pris beaucoup de temps pour faire ce micro, mais en même temps, j'avais tellement de choses sympas à dire. Donc voilà, le temps que je fasse ce micro, bah, tout cela est tout à fait calculé. En tout cas, grande est prêt, il s'appelle Gabriel et Chloé, et ils vont nous jouer deux titres en live pour le 31 de France Inter. Thank you.
sun is melting my fears and angst. And now I might be coming, still hoping for a qui est avec nous dans Qu'est-ce que tu fais pour le 31 en direct sur France Inter, c'était Highway et voici Demons. Sky on the rock.
Merci, grande. Merci, Chloé. Merci, Gabriel. Venez donc me rejoindre. Comme les groupes invités présents ici ce soir, vous allez sortir un premier EP en 2019. Et c'est pas vraiment notre premier EP. Ce sera notre deuxième EP, figure-toi. Ah bah. Le premier EP, on l'a sorti en 2016, mais on l'a sorti dans des circuits complètement alternatifs. Mmh. C'est peut-être pour ça qu'il passait sous les radars, parce qu'on on a imprimé la main dans nos petites machines à graver CD de iTunes. Mmh. Pas si de marge, mais de, aussi Windows Media. Mmh. Et ensuite, on fait des pochettes avec de l'inotravure. Ah, oh, c'est chic, dis donc. Ouais. Bon, ouais. Alors, c'est donc ce deuxième EP qui va sortir au printemps ou à l'été prochain. Mmh. En tout cas, on est très content de vous recevoir pour que vous nous aidiez à sauver 2018. Comment ça s'est passé pour vous cette année? Franchement, c'était une belle année musicale pour nous. On a beaucoup joué. On a eu la chance d'aller dans pas mal de villes de France sur une cinquantaine de dates. C'était cool, on a rencontré du monde. Et après, à titre personnel, c'était une belle année riche en nombreux rebondissements. Mais ça regarde pas tellement les auditeurs de France Inter, je crois. Ouais. Ok. Alors, moi, j'aimerais qu'on revienne aussi sur cette année 2018, qui a été une année, en ce qui concerne la question des droits des femmes, de la lutte contre les discriminations, qui a été quand même un peu importante. Vous êtes un groupe qui revendique une identité queer. Qu'est-ce que ça signifie? Ah, queer, c'est compliqué de définir. Queer, je pense que c'est un terme, ce qu'on appelle, tu sais, un terme ombrelle. En gros, ça regroupe toutes les identités du spectre LGBT, etc., mais aussi les intersexes, les asexuels, toutes les personnes qui en fait ont une identité sexuelle en fonction de leur orientation, de leur genre, qui ne correspond pas à la norme hétéro cisgenre classique. Et puis, il y a un truc de revendication politique en plus, je pense, dans le queer. T'es d'accord? Oui, en fait, c'est ça. C'était surtout l'aspect politique en fait, du terme queer qu'on revendique. Ouais. Et donc, de ce point de vue-là, 2018, année queer? Année... oui, assez. Je pense qu'il y a encore quelques progrès à faire, hein, est-ce que... Ouf, elle est pas facile, ta question, il faut que je fasse l'introspective. Bah oui, je sais bien. Alors, on me dit dans l'oreillette qu'on a pas mal de retard dans cette émission. C'est un peu à cause du fait qu'on a cassé un micro, mais c'est pas vraiment notre faute. c'est donc ça qui s'est passé. Donc, votre deuxième EP qui va sortir, je le dis par acquis de conscience, votre coup de cœur musical, c'était une jeune femme qui s'appelait Émilie Zoé. Ah ouais, c'est magnifique. Et c'est vraiment chouette, je vous invite, auditeurs, auditrices, à aller l'écouter. Merci beaucoup, merci, grande. Merci à toi, Hugo, et merci France Inter. Et puis, restez avec nous pour les 13 prochaines minutes, en tout cas, puisque bientôt, ce sera minuit. Mais tout de suite, c'est la suite. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour le 31? Hugo Combe, votre réveillon rêvé. Jusqu'à 1h du matin. Sur France Inter. Et enfin, le micro est réparé. Last but not least, celle qui va donner l'ultime coup de pioche à cette année 2018 moribonde s'appelle Alice et moi. Alice et moi, en trois mots. Il paraît que quand elle était petite, elle parlait des heures face à la glace de sa salle de bain qui bricolait des vidéos en couleur en se filmant de trop près. Aujourd'hui, Alice et moi gardent un œil grand ouvert sur le monde. Sous des airs faussement innocents, elle cache un cœur de bad boy et propose une pop sensuelle et percutante. Elle se définit elle-même comme gentiment schizophrène et délibérément narcissique, d'où ce nom un peu mystérieux, Alice et moi. Ce qui est sûr, c'est que cette alliance... Ce qui est sûr et ce que cette alliance semble confirmer, c'est qu'il ne faut pas se fier à ce faux semblant de pop sucré mutine et garder à l'esprit que la jeune femme qui nous accompagnera jusqu'à minuit, et nous en sommes plus que ravis, a sans doute autant de cordes à son arc qu'il y a deux facettes sur une boule de réveillon. Alice et moi sur France Inter. Thank you.
c'est Alice et moi qui est le dernier artiste à se produire dans le live de Qu'est-ce que tu fais pour le 31 en direct sur France Inter. Et voici donc son second morceau. Il y a. Alice et moi sur France Inter, Alice et moi qui étaient accompagnés de Dani, que je vais demander de m'asseoir, à qui je vais demander de m'asseoir à ma droite, puisque la journaliste va venir faire son flash. Dani Terreur, que on connaît pas mal sur France Inter en ce moment. Alice et moi, merci beaucoup d'être là. C'est super d'être la dernière artiste sur France Inter. Comment ça s'est passé pour vous cette année 2018? Bah, franchement, plutôt une bonne année. Je suis très contente de faire ce que j'aime dans ma vie et de faire plein de concerts et. Franchement, je suis contente, j'avoue. Alors, est-ce que pour 2019, il y a un disque peut-être qui va sortir? Oui. On peut en savoir un petit peu plus. Il y a un EP qui va sortir en février. Et il y a même un titre clippé qui va sortir en janvier. Je ne l'ai encore jamais dit, donc
Ce sera quoi? Une exclue pour Santerre. Ah, c'est un titre qui n'est pas encore sorti. Non, pour un titre de mon prochain EP. Ah, super. On aimerait savoir le nom. Frénésie. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais c'est dit. Bon, de toute façon, il est 23h57, mettre ça sous le compte de l'alcool. Alice et moi, tout à l'heure, en début de cette session de live, j'ai dit que c'était le premier live sur France Inter pour tous les artistes qui étaient présents ici. Mais pour toi, c'était un petit peu fou, puisque je crois que tu as chanté « Il en faut peu pour être heureux » dans l'émission d'Antoine Decaune en septembre. Est-ce que c'était un bon souvenir de 2018? C'était un très bon souvenir de 2018. Et j'avoue que je ne m'attendais pas pour mon premier passage sur France Inter à devoir chanter « Il en faut peu pour être heureux », mais ça faisait bien. C'était dans une émission avec Gaston Bajac, c'était pas trop impressionnant? C'était un peu impressionnant, mais au final, ça s'est bien passé, j'étais contente. Ok, et moi j'ai évidemment la question que tout le monde se pose, est-ce qu'en 2018, tu es sortie avec un rappeur? Enfin, je suis pas sortie avec un rappeur, mais j'ai rencontré plein de rappeurs cool. Et puis j'ai fait parler de... J'ai fait un peu parler de moi avec cette chanson, je crois. Super. Je vais dire un mot à Dany Terreur qui nous fait le plaisir d'être là ce soir. Dany Terreur 2018, c'est l'année du premier album. Yes, c'est ça, ouais. Ça s'appelle Les Portes du Paradis. Comment ça s'est passé alors cette année? Ça s'est hyper bien passé. Il y a eu un bel accueil pour cet album et il y a eu pas mal de concerts. Et il y en a encore plus pour 2019. Du coup, c'est un spoil un peu du futur qui est dans 3 minutes là. Mais sinon, il y a eu une résidence sur France Inter aussi. Et ouais, dans la poule sentimentale de Didier Navarro, c'est super. Du coup, en vrai, c'était une super année. Et même, voilà, c'était pour cet album et pour Alice aussi, c'était une bête d'année. Enfin, espérons que 2019 soit encore mieux. Enfin. Yes. Ok, Alice, ton coup de cœur musical de l'année, mince, où est-ce que je l'ai marqué? Si c'était Catastrophe, Bebop Record, c'était exactement ça, mais on me fait signe que l'on n'a pas du tout le temps de l'écouter. Bah non, c'est ça, puisqu'il est 23h59 et 30 secondes. Bon, il y a plein de monde qui est réuni autour de tous les micros de ce studio 621. Et mes amis, et toi, auditeur, toi, auditrice, toi, que j'ai souvent appelé mon petit colibri, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je crois qu'on a réussi à sauver 2018. Et maintenant, même si c'est super ringard, on va faire un compte pour 6, 5, 4, 3, 2, 1, bonne année! Vous écoutez France Inter, il est 2019, ce flash vous est présenté par Maria Elkurdi. Bonsoir ou bonjour, plutôt belle année à tous. Spectacle son et lumière sur la plus belle avenue du monde. Des dizaines de milliers de personnes réunies venues assister au traditionnel feu d'artifice de minuit. Des gilets jaunes se sont donné également rendez-vous sur les Champs-Élysées ce soir pour ce réveillon, histoire de montrer que leur mouvement va encore durer. En 2019, Mathilde Démé y est pour nous, ambiance. Bonne année les Champs-Élysées, dans toutes les langues, il y a des milliers et des milliers de touristes qui ont sorti leur téléphone portable pour profiter de ce son et lumière qui s'est projeté sur l'Arc de Triomphe, qui continue d'affluer, de se presser toujours plus en avant, comme s'ils allaient pouvoir rentrer sous l'Arc de Triomphe qui n'était que d'arriver. Et cette foule était impressionnante et silencieuse. Et puis de l'autre côté, derrière nous, des gilets jaunes qui se pressaient, eux, qui avaient les macrons d'émission de Vénigène allumée et qui la demande à regarder ce spectacle passionnément, applaudissant dès qu'il y avait un petit peu de l'artifice. Voilà, nous dit en plus de bonne entente sur les Champs-Élysées pour voir désormais si ça va durer. Merci Mathilde Demimi. Donc, aux Champs-Élysées, belle année à vous. Un réveillon sous haute surveillance également ce soir. 148 000 membres des forces de l'ordre déployés à travers la France, dont 12 000 à Paris. À Bordeaux, entre 100 et 200 gilets jaunes ont occupé la voie menant au pont d'Aquitaine avant d'être délogés par les forces de l'ordre. La forme peu commune, le fond un peu moins, c'est debout dans le salon d'angle de l'Élysée qu'Emmanuel Macron a formulé ses vœux pour la nouvelle année 2019. La colère des gilets jaunes en 2018 a montré que nous ne sommes pas résignés, a-t-il déclaré. En même temps, il maintient le cap des réformes pour l'année 2019. Trois vœux ont été formulés ce lundi soir. Vérité, dignité, espoir. Retour sur les principales séquences à retenir de ce discours avec Laurence Perron. Un président debout, volontariste, signe qu'il est dans l'action, qu'il entend les impatiences. Les résultats ne peuvent pas être immédiats et l'impatience que je partage ne saurait justifier
aucun renoncement. Les déchirements. Une colère a éclaté qui venait de loin. Le capitalisme ultralibéral et financier, trop souvent guidé par le court terme et l'avidité de quelques-uns, va vers sa fin. La crainte face aux vagues migratoires. Les grandes migrations nous inquiètent et sont instrumentalisées par les démagogues, alors même qu'il nous faut bâtir aujourd'hui de nouvelles réponses. Il accuse aussi ceux qui instrumentalisent les peurs. Que certains prennent pour prétexte de parler au nom du peuple. Mais lequel? D'où? Comment? Et n'étant en fait que les porte-voix d'une foule haineuse, s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels. C'est tout simplement la négation de la France. Mais ils ne cèdent rien. Cessons de faire croire que la France est un pays où il faudrait dépenser toujours davantage. En pliant le genou, il fait corps avec le peuple et forme pour lui trois vœux. Débat démocratique, une dignité retrouvée, un espoir enfin qui passe par des réformes institutionnelles, la démocratie doit évoluer, une attention à cette province, il dit, j'en viens, enfin, une unité retrouvée. Ouais, Laurence Perron du service politique de France Inter, les réactions sont très vives dans l'opposition. Les vœux d'Emmanuel Macron ne sont pas à la hauteur et sont sans rapport avec la crise que l'on vient de connaître, estime par exemple Olivier Faure, premier secrétaire du PS. Florian Philippot, président des Patriotes, dénonce le mépris hallucinant exprimé à l'égard des Gilets jaunes. Laurence Saïd, porte-parole des Républicains, estime que le président est complètement déconnecté. Des rassemblements un peu partout ce lundi soir, le réveillon entre fêtes et revendications rassemblant des Gilets jaunes à Paris, on l'a entendu, mais aussi en Franche-Comté, une quarantaine de Gilets jaunes ont réveillonné dans la bonne humeur un mélange de fêtes et de revendications. Ils se sont réunis au rond-point du Redon à Arboin, près d'Audincourt, dans le Doubs, pour passer la soirée du Nouvel An ensemble. Et peu importe les vœux présidentiels, la détermination reste intacte, Jonathan Landé. De la musique, quelques bulles et de quoi grignoter en toute simplicité. Un petit buffet assez simple. Même il y a des gens qui sont venus offrir des huîtres. Quelques jeunes, mais surtout des retraités, des chômeurs, leur souhait pour 2019 qu'il y ait une meilleure redistribution des richesses en France. Jean-Michel le dit non sans ironie. Nous on veut pas grand-chose. On veut comme Carlos Ghosn, 45 000 euros par jour. On n'est pas exigeant. J'ai entendu beaucoup de vent, en fait, beaucoup de... Certains comme Alain, pharmacien de profession, ont écouté les vœux du président et ses déceptions. La dernière allocution, là, j'ai écouté en partie, c'est exactement ça aussi. Du vent, c'est pareil, il annonce rien, il parle d'écologie industrielle, ça veut rien dire, concrètement, il y a rien, c'est vide, c'est comme d'habitude. Les Gilets jaunes promettent de ne pas lâcher. Si on est là, c'est quand même pas pour s'abuser, hein. Bon, malgré qu'on fait la fête entre nous. Si on est là, c'est qu'il y a vraiment un problème. Donc ça veut dire que ça va continuer. On est là peut-être 2020, on refaitera ici. Ils envisagent de nouvelles actions tout au long du mois de janvier. Reportage Jonathan Landais. Oui, quoi de mieux que la musique pour terminer l'année et pour commencer la nouvelle année. La météo avec Via Santé, la mutuelle d'HI2R la mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Vous, comment ça va? Alors, est-ce que la météo sera douce demain, le dit Kalak? 2019 commence comme 2018 s'est terminé. Beaucoup de gris sur les régions du Nord, le Lyonnais, le Sud-Ouest, du brouillard aussi. Attention sur les routes, prudence. On a quelques gouttes dans l'Est ce matin. On les trouvera du Pas-de-Calais à l'Alsace cet après-midi. Sur le Massif central, sur les Pyrénées et les Alpes, sur le pourtour méditerranéen et sur la Corse, là vous profitez du soleil. Les températures sont encore douces. Ce matin, il fait souvent 3 à 7 degrés. On a dégelé tout de même sur le sud-ouest avec seulement moins 2 à 2 degrés attendus. Cet après-midi, on n'aura pas plus de 4 degrés à Langres et à Toulouse, 7 à Strasbourg, Bourges, Lyon, 9 degrés à Paris ou à Honfleur, 11 à Vannes, 15 à Bastia et ça ira jusqu'à 16 degrés à... Bonjour, c'est Pirébi. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Pour beaucoup d'entre vous, les vacances sont enfin arrivées, on retrouve sa famille et ses amis, bref, c'est le moment de faire la fête, d'en profiter. Alors, je ne voulais pas casser l'ambiance, mais gardez quand même en tête que la vie est fragile. En France, plus de 1000 personnes sont tuées chaque année dans des accidents causés par l'alcool, et ça se passe surtout la nuit. Donc c'est simple, protégez ceux qui vous sont chers, et ne laissez jamais quelqu'un qui but prendre le volant, parce que quand on tient à quelqu'un, on le retient. Sécurité routière, tous responsables. Belle nuit,
bonne année à tous sur France Inter. On continue avec vous, Hugo Combe. Bonne année. Mais oui, bonne année à vous, Maria Mercurdi. Il est temps pour vous d'aller faire la fête maintenant. Mais oui. Le prochain rendez-vous avec l'information, ce sera dans 57 minutes, soit à 2019 plus une heure. C'est marrant, ça marche beaucoup moins bien dans ce sens. Ouais. Mais peu importe. Allez, assez rigolé, on a une année à commencer. Qu'est-ce que tu fais pour le 31 Hugo Combe? Parce qu'il est encore temps de sauver 2018. Jusqu'à 1h du matin, sur France Inter. Une radio mobilité, accueillante, amicale, une radio généreuse qui allège notre monde des préjugés, de la peur, de toutes les peurs. Une radio qui aide à vivre. Bonne année avec Radio France. Que tu fais pour le 31 s'appelle désormais officiellement qu'est-ce que tu fais pour le 1er. Ce qui m'amène à cette réponse. Eh bien, je continue, mon ami. Parce que oui, on est encore ensemble pour une heure en direct à célébrer l'année nouvelle dans la musique et le plaisir des oreilles. Rassure-toi, je vais te faire grâce des éternels 2019 années de là, où tu peux compléter avec une prime en œuf, qui revient mine de rien, mine de charbon tous les 10 ans. Alors je vais simplement te souhaiter pour les 12 prochains mois tout le bonheur possible, avec une abondance de tout ce que tu aimes. Vas-y sans limite, tant que ton livret A est d'accord et que ça ne blesse personne. Aime-toi fort, aime les autres, dis-le-leur. N'oublie pas que tu es beau, que tu es belle, alors sois fière, sois libre. Chante, danse, crie, fais-nous plaisir, fais-toi du bien et réciproquement. Tu as un an pour faire en sorte que 2019 soit mille fois mieux que 2018, alors tu peux t'en donner à cœur joie. Et pour t'aider dans cette aventure, on t'a concocté une playlist de fêtes pour cette dernière heure qui va nous permettre d'illustrer avec éclat les résolutions que l'on va prendre ensemble. Mais si ça peut te détendre tout de suite, sache que ce sont des résolutions juste pour la nouvelle heure. Après, pour le reste de la nuit et de l'année, tu as le droit de ne plus t'y tenir. On dit parfois que les 12 premiers jours de janvier sont à l'image de ce que seront respectivement les 12 mois de l'année. Il se peut aussi que les 52 prochaines minutes soient à l'image des 52 prochaines semaines. Grosse pression, mais on va s'en sortir. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour te tromper, Hugo Combe, sur France Inter? Tu peux donc noter dans ton petit calepin la chose suivante. Résolution numéro 1, chaque jour, chaque instant, je vais briller avec éclat tel les diamants dans le ciel. Et si malgré le fait que je t'ai déjà donné ce conseil moult fois, et même un peu plus tôt ce soir si je ne me trompe pas, tu ne sais pas vraiment comment faire, sache que c'est assez simple. Ferme les yeux, lève les bras vers le ciel. Tu peux plier les coudes, caresser tes cheveux si tu veux, mais surtout, écoute Rihanna, Diamonds.
Jungle avec Heavy California pour la dernière heure du réveillon de France Inter ou pour la première heure du 1er janvier de France Inter, c'est selon. En 2019, ça y est, prends-toi donc ce coup de vieux avec moi. Toutes les jeunes personnes nées en l'an 2000 sont majeures. Il faut donc qu'on commence à devenir intraitable quand on les entendra dire avec mépris que les années 90 n'ont rien produit de bon et pour ça, on pourra leur faire écouter Ultra Nassé.
So slowly, time goes by, so slowly.